Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. On apprécie ça. Ce ballon est pas mal non plus. Oh, Benzema. Est-ce qu'il n'a pas été surpris de se retrouver en si bonne position? Parce que logiquement, il faut autre chose que ça. Oh, mais voilà, c'est ça le problème de Militao, je vous le dis depuis le début. Il ne faut pas qu'il commence à croire qu'il sait contrôler un ballon. C'est pas son truc. Oh, quelle passe. C'est oh, pas son passe. Truc. Et Silva. Voilà quelle... Maintenant, du côté de City, être tout le temps dans la gestion comme ça, ça peut être aussi dangereux. Ouais, même s'ils ont ce petit but d'avant, c'est pas mal ça. C'est fait ça avec Carvajal, c'est joli ça. Avec maintenant, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Ah, cette action était parfaite. C'était magique comme action là-bas. Ah, et c'est De Bruyne qui sort. De Bruyne qui sort. Ça, on l'avait pas vu venir celle-là. Non. Il n'a pas l'air de souffrir, il n'a pas l'air d'avoir des soucis. Bien essayé de Vinicius, de Valverde, pardon. Gundogan, première touche de balle. Allez, se mettre directement au diapason des autres, tout comme Zinchenko d'ailleurs. Il est exceptionnel. Ouais. Modric qui lève les bras, mais là, elle va faire mal, celle-là. En pleine foulée, il va y aller. Non, et là, il y va aussi. C'est but. Et c'est sans doute terminé avec ce ballon de Mahrez. Un coup de fusil, un coup de tonnerre et sans doute un coup de fin pour le Real Madrid. Mais quel changement, Marc. Les deux joueurs qui rentrent font la différence. Et Zinchenko, il n'y a pas de hors-jeu. Grealish avec Foden, là, peut-être le 0-2 là, ce serait terrible. Non, si, non. Oh, quel sauvetage. Comment il n'est pas rentré ce ballon? Comment il n'est pas rentré? C'est dingue. Ils vont le mettre. Oh, Grealish la feinte. Et non. Quelle démonstration. Je le répète, le Real est à domicile, le Real doit revenir au score, le Real ne touche pas une balle. Non. Et là, Grealish montre toutes les capacités qu'il a. Il a toujours ouais, ouais, touche. Bah ouais, touche. C'est dedans. C'est magnifique, encore une fois. Camavinga, il est pas mal ça, avec Benzema, la remise. Le voilà, tiens. Le voilà le but. Allez, les regrets. Rodrigo. Benzema qui se transforme en donneur d'assist. Et Rodrigo. Allez. Ils n'ont peut-être pas avoir autant de regrets que ça. On regarde l'appel de Benzema, il n'y a pas de hors-jeu. Non, non, non. Il faut la mettre dans la boîte là. Il y a du monde avec Militao. Rodrigo, non, Militao non plus. Qui va s'arracher avec Grealish, c'est le monde à l'envers. Carvajal. Le centre. Pas mal. Pas mal. Le but. Oui, oui, le but. Le but du Real Madrid. C'est Rodrigo. C'est exceptionnel. Et c'est encore une fois Rodrigo. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est peut-être pas terminé non plus. Oui, il n'y a pas de hors-jeu là, forcément. Benzema. Ou s'il met le troisième là maintenant. Et si c'est Benzema qui le met. Avec un. Oh là. Fred Dawson. Nouveau coup de quoi. Les gens deviennent fous ici. Camavinga. Voilà, il va où, Camavinga? Il va chercher Rodrigo. Le meilleur choix là pour l'instant, ça arrive avec Benzema. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, penalty. Il va chercher le penalty. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un penalty là-bas? Le VAR est là éventuellement. On revoit ça ici. Ouais, il prend le pied. Hein, mais Benzema fait exactement ce qu'il doit faire. Hein. Plat du pied.
remarquable. Ah, remarquable, après le match qu'il a fait, Marc. Cancelo, dans la boîte, il y a du monde, et il y a Courtois. Et finalement, ce ballon qui arrive et qui ne peut pas être redressé par Fernandinho. Heureusement qu'il la touche, Marc, parce que je pense que Fernandinho l'aurait mise au fond. La chance est peut-être en train de tourner, là. Foden, il la touche, et puis Fernandinho qui arrive là-bas. Heureusement qu'il est grand, qu'il est même très grand, heureusement. Ce résumé vous a été présenté par takeaway.com et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.